Jessie est convaincue d'un truc. Elle est persuadée que la conscience de son père erre toujours dans le... planète. Ah, je comprends mieux. Au cœur de la Mako, il y a toutes sortes de pensées et d'espoirs. C'est pas qu'une source d'énergie qu'on peut dépenser à tort et à travers. Tu vois ? L'enfoiré ! Oh ! C'est l'endroit dont nous a parlé Jessie ! On se retrouve tous ici après l'opération ! Essayons de pas nous faire repérer en attendant le signal. C'est bien calme, hein ? L'entrepôt devrait être derrière le portail. Attends. On dirait que quelqu'un d'autre est passé ici. Jessie aurait jamais fait ça, pas vrai? J'espère que ça va pas compliquer les choses. Allons voir ça. Il y a personne ici. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, c'est la place. Les entrepôts sont au fond. Normalement, Jessie a dû faire le tour par derrière. Parlons de notre stratégie. Je peux très bien y aller tout seul. Quoi? Tu veux dire qu'on est des boulets, c'est ça? Un peu de respect, s'il te plaît. On est des frères d'armes, quand même! Je veux pas être votre nounou. Si tu veux te préparer, c'est le moment ou jamais. Dis-le-moi quand t'auras fini. S'il te manque un truc, va voir au distributeur! Centre d'entraînement là-bas, apparemment.
Si tu veux t'échauffer, tu sais où aller. Je suis tellement stressé que mon ventre n'arrête pas de gargouiller. Heureusement qu'il y a des... Au fait, t'as une matéria d'invocation avec toi, c'est ça ? On va semer la pagaille en plein chez nos ennemis. Ça peut pas faire de mal de se préparer un peu. Bon, vérifions les postes de chacun. Cloud, tu vas en plein milieu de la place et tu fous un gros bordel. Nous, on fait quoi ? Pour nous, soutien tactique. D'abord, on monte dans un endroit où on a une vue d'ensemble, et de là, on l'aide de notre mieux. Je suis là. Alors ? Tu voulais parler de quoi ? Ils finissent tous par quitter le village. Mais moi, je ferai pas comme les autres. Je pars pas juste pour chercher du travail. Je veux devenir un soldat. Un des meilleurs qui soit, pareil que Sephiroth. Donc tu voudrais être un héros. Déjà, devenir soldat, c'est difficile, non? Disons que ça prend du temps, je pourrais pas revenir de sitôt. Si tu te fais connaître, je te verrai peut-être dans le journal. Ouais, peut-être. Dis, promets-moi un truc. Plus tard, quand tu seras devenu très célèbre, si jamais j'ai de gros problèmes, j'aimerais que tu viennes m'aider. Hein ? C'est ce que font les héros. Ils arrivent quand tout semble perdu. J'aimerais vivre ça, ne serait-ce qu'une seule fois. Allez, promets-le-moi. Bon, d'accord. Je te le promets. N'a pas l'air de te plaire. Je sais qu'on n'arrivera à rien si on change pas nos méthodes. J'en suis tout à fait consciente. Mais quand même, je me sens perdue. C'est le signal de Jesse. Elle a réussi à s'infiltrer. On y va. Ouais. Ok. Je vois pas le moindre intrus. Ils sont peut-être cachés. Attendez. Là-bas! Intrus repéré. Tirez! Déjà fini? Oh, éliminez-le! Il y en a aussi en haut! D'autres intrus ont été repérés. Demandons des renforts. Éliminez-les, qu'ils nous tirent dessus.
répète. Mais merde! On va pas y arriver comme ça! Sur les moyens. Tiens bon un instant, je vais m'en occuper. Tu ferais mieux de te rendre. Elle va sacrément barrer. Silence. Viens. Lésiner sur les moyens. Tiens bon un instant, je vais m'en occuper. Tu ferais mieux de te rendre. Ça va. Mais je t'apprends pas. Tu vas cramer. Et hop là. Nous manquera pas. Allez, encerclez-le ! Okay.
déclencher. J'ai maigri. Hé, hey, le Playboy, t'as vraiment un succès monstre. J'y peux rien si j'ai un charme bestial. Et évidemment, il y a des robots là-dedans. Ça va aller? Ouais, t'inquiète. Tu peux compter sur nous. Regarde ce que j'ai trouvé. On va leur en mettre plein la vue. Je tiens le coup.
bien joué. Encerclez-les. Oh la merde. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? On peut vraiment dire que tu sais mettre de l'ambiance, mon cher ami. On se l'était promis, pas vrai? Que la prochaine fois, on s'affronterait que toi et moi, hein? Tu as actionné mon démarreur. Et en ce moment même, mon moteur est... Agité de soubresaut à l'idée d'une nouvelle course-poursuite! Écartez-vous. D'accord. Filons. Ça fait bien des années que je n'étais pas descendu de moto comme ça. Mais bon, peu importe où je pose les pieds. Ce qui est sûr, c'est que je ne ralentis jamais! Une fois, l'union a fait la force. Bien joué. Encerclez-les. Oh la merde.
Attention! Ha ha ha!
Le temps passe trop vite quand on s'amuse bien. Quoi qu'il en soit, j'ai un nouvel objectif à atteindre. Sortez-les toutes! Celui à l'épée est aussi fort qu'un soldat! Attaquez-le sans relâche! Nos chemins se croiseront forcément à nouveau. Promets-moi seulement de rester en vie jusque-là. Mon cher ami, au revoir. Wedge ne craint rien. Il vaut mieux pas qu'ils découvrent qui tu es, par contre. Et ils sortent d'où, eux? D'Avalanche. Ça doit être eux qui sont arrivés avant nous. Une bande de conservateurs de la branche principale. En gros, du point de vue de notre propre groupe, c'est une énorme épine dans le pied. Une véritable plaie. Mais je m'égare. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Alors ça... Ils ont eu le culot de nous exclure en nous traitant de factions dangereuses, alors qu'ils ont eux-mêmes un armement impressionnant. Il paraît qu'ils ont formé une alliance. Oh, oh. Ça y est, mission terminée. Faut qu'on rejoigne Jesse à l'endroit prévu. Ouais. Il y en a du bazar dans le coin. La Shinra a envoyé des renforts en plus. Oh, j'ai mal au ventre. L'annexe 7-6 est attaquée par un groupe armé anti-Shinra. L'ennemi est en grand nombre. L'état d'urgence a été déclenché. À toutes les unités, éliminez les intrus immédiatement. Je répète,